Gaieté Enfantine, une émission de variété sur Télé Culturel Média qui sera animée par des poèmes, des jeux, des chansons et autres. Diffusée tous les samedis de 14h à 15h. Cette émission est accessible à toute la communauté. Vous devez donc inscrire vos enfants sur une liste d'attente bien avant la date à laquelle vous comptez les envoyer à l'émission. Passez-nous voir du lundi au vendredi de 9h à 21h au 95 90 boulevard Henri Bourassa Est, local 20. Pour toute information, communiquez avec nous au 514 643 01 72 ou 514 807 42 23. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Gaieté Enfantine. Avec vous, Dwijni Gentil, votre animatrice. C'est un privilège et un plaisir pour moi de vous servir. Et aujourd'hui, dans la grande première, on a 5 filles qui vont nous faire découvrir leurs talents, que ce soit par le chant ou des poèmes ou la danse. Gaieté Enfantine est une émission qui a pour but de faire briller votre enfant avec ses talents. Donc, c'est un plaisir pour moi et un privilège d'accueillir ce soir une jeune fille, beaucoup de talents, qui s'appelle, comment vous vous appelez? Soraya. Qui s'appelle Soraya Dupuis. Et je vais lui demander qu'est-ce qu'elle compte nous présenter à Gaieté Enfantine. Bonjour Soraya. Bonjour. Tu as quel âge toi? Moi j'ai 8 ans. Tu as 8 ans, ça veut dire que tu es en deuxième année? Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu aimes faire toi à l'école? Moi j'aime beaucoup le cours de musique et le cours d'anglais. Le cours de musique et le cours d'anglais. Est-ce que tu joues un instrument toi? Beaucoup plus le xylophone. Tu joues du xylophone, c'est-à-dire à Gaieté Enfantine, tu vas nous jouer du xylophone ou qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais chanter. Ah, tu joues du xylophone et tu chantes. Oui. Tu vas nous chanter quoi aujourd'hui? Je vais chanter « Au ce nom est si merveilleux ». Ce nom est si merveilleux, ça parle de quoi? Des bonbons? Non. De la musique? Des enfants? C'est quoi? Ça parle de Dieu. Ça parle de Dieu. OK. Donc, tu vas nous chanter une chanson qui parle de Dieu. Oui. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Ça veut dire que tu vas à l'église avec tes parents? Oui. OK. Donc, sous vos applaudissements, Soraya Dupuis, ce nom est si merveilleux. Tu étais là dès la création. Fils unique. Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur, oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi, oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareille, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, et la terre a tremblé. Les voies s'est déchirées, des arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de
Jésus. Gaieté enfantine, une émission de variété sur Télé Culturel Média qui sera animée par des poèmes, des jeux, des chansons et autres. Dis-moi, comment tu t'appelles? Sarah Onizia Joseph. Sarah Onizia Joseph. T'as quel âge? J'ai 7 ans et demi. 7 ans et demi, ça veut dire bientôt tu vas avoir 8 ans? Oui. Tu es en quelle année, toi? Deuxième année. Tu es en deuxième année. Peux-tu me dire le nom de tes parents? Othniel, c'est mon père. Inès, c'est ma mère. Grand-papa Canet, c'est grand-papa Serge, c'est mes grands-papas. Et grand-maman Marlène et grand-maman Germaine, c'est mes deux autres grands-mamans. Tu es chanceuse, toi, t'as deux grands-mamans et deux grands-papas, puis t'as ta maman et ton papa. Est-ce que t'as des frères et sœurs? Oui. En plus? Oui. T'en as combien? Un frère. Un grand frère ou un petit frère? Un petit. T'as un petit frère, alors que tu es l'aîné. Oui. Tu donnes des bons exemples, j'espère. Pas souvent. Oh, pas souvent. Tu m'as dit tantôt que tu aimais manger. Est-ce que tu sais cuisiner? Certaines choses, non, certaines choses. Tu aides maman à faire le petit déjeuner? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire dans le déjeuner, toi? J'aide maman à faire les œufs. Je brasse les œufs. Oh! Je fais griller le pain et je prépare la table pour maman. Oh, maman est chanceuse. Moi, j'aimerais ça que tu me fasses une journée. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Non? Bon, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui à Gaieté enfantine? Est-ce que toi, tu sais danser, chanter, jouer? Chanter. Tu vas chanter? Oui. Tu vas chanter pour nous? C'est quoi le titre de ta chanson? Au père, je suis ton enfant. Oh, au père, je suis ton enfant. Est-ce que tu l'as déjà chanté à ton papa? Oui. C'est-tu pour ton papa que tu l'avais chanté la première fois? Oui. Non? OK. Donc, on est choyé aujourd'hui qu'on puisse partager le chant que tu as chanté pour ton papa. Au père, je suis ton enfant. Avec vous, Sarah Onizia Joseph. Au père, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. J'ai vu le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de ma naissance. Oh Père, oh Père, je suis ton enfant. J'ai vu la preuve que tu m'aimes. Je vais te louer par mon sang, le chant de joie de ma naissance. Oh Père, oh Père, je suis ton enfant. J'ai vu la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de ma naissance. Cette émission est accessible à toute la communauté. Vous devez donc inscrire vos enfants sur une liste d'attente bien avant la date à laquelle vous comptez les envoyer à l'émission. Passez nous voir du lundi au vendredi de 9h à 21h au 95-90 boulevard Henri Bourassa Est, local 20. Pour toute information, communiquez avec nous au 514-643-0172 ou 514-807-4223. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Comment vous vous appelez? Mathia Gentil. Mathia Gentil. Oh, on a le même nom, tu le savais? Moi, c'est Louis Gentil, puis toi, c'est...
Mathieu. Mathieu gentil. Ça se pourrait qu'on soit de la même famille, hein? Oui. Non, je pensais aussi. Tu as à quel âge, toi? J'ai 7 ans plus que demi. 7 ans plus que demi, ça me dit que tu es en deuxième année, c'est ça, ou troisième année? Deuxième année. L'année prochaine, je vais être en troisième année. OK. Dis-moi, comment s'appellent tes parents? Ma mère s'appelle Carla Bien-Aimée et mon père s'appelle Volumi Gentil. Ils font quoi dans la vie, tes parents? Ma mère est orthopédagogue. Et ton papa? Mon père travaille sur l'informatique. Ton père est dans l'informatique, puis ta mère est orthopédagogue. Oui. Es-tu la seule de ta famille? Es-tu enfant unique? Non, j'ai un grand frère de 15 ans. Il s'appelle Caleb. T'as un grand frère qui s'appelle Caleb. Dis-moi, t'es la gâtée de la maison? Des fois oui, des fois non. Pourquoi des fois non? Est-ce que des fois t'es pas gentille? Des fois, je suis trop tannant. Mon frère. Ton frère? Avec lui, c'est 15 minutes, hein? Ouais. Oui, j'aurais pas aimé être à sa place. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à Gaieté Enfantine? Je vais chanter une chanson qui s'appelle Fidèle, Fidèle. Fidèle, Fidèle. Ça veut dire quoi, Fidèle, Fidèle? Fidèle, Fidèle, c'est le titre d'une chanson que j'aime beaucoup, puis qui parle du Dieu qu'on parle à notre église. Puis on est très heureux de le recevoir car il est fidèle. Oh, donc c'est comme un remerciement à Dieu. Oui. Tu témoignes qu'il est gentil, qu'il est fidèle. Oui. Parce qu'il est fidèle. Oui. D'accord. Donc, sous vos applaudissements, Mathia Gentil qui va nous interpréter Fidèle, Fidèle. Merci. Fidèle, 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 fidèle à notre Dieu, fidèle à le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est quoi ton nom? Maïdina Joseph. Maïdina Joseph. T'as quel âge? 6 ans. T'as 6 ans. Est-ce que ça veut dire que t'es en maternelle? T'es en quelle année? Première année. T'es déjà en première année? Qu'est-ce que tu fais à l'école, toi? J'écris. Tu sais écrire. Alors, tu sais lire aussi? Peux-tu me dire le nom de tes parents? Junior, Cudley, Jacob. Junior et Cudley, c'est ton papa et ta maman. As-tu un frère? Oui. C'est quoi le nom de ton frère? Jacob. T'as un frère qui s'appelle... Est-ce qu'il est plus petit que toi ou il est plus grand? Il est grand. Alors, t'as beaucoup de cadeaux de ton grand frère qui te gâte tout le temps. C'est le fun d'avoir un grand frère? Pour de vrai? Ça veut dire qu'il joue avec toi? Il te fait des mauvais coups. Fais-tu des mauvais coups, ton frère? OK. Est-ce que tu aimes manger? Je joue à cachette. Oh, tu joues à cachette avec ton frère. Qui gagne? C'est moi. C'est toi, la championne, qui gagne. Est-ce que tu aimes manger, toi? C'est quoi ton plat préféré? Les spaghettis et la lasagne. Tu aimes les spaghettis et la lasagne. Est-ce que tu sais les faire, toi? Oui. C'est maman qui les fait ou c'est papa ou tu vas l'acheter au magasin? Des fois, je l'achète. Des fois, tu l'achètes, des fois, tu le fais. Dans la lasagne, les spaghettis, est-ce que tu les prépares, tu les achètes? Comment tu fais? Des fois, je les prépare, des fois, je l'achète. OK. Est-ce que tu les fais quand c'est tes parents qui les font? Est-ce que tu le fais, tu cuisines avec tes parents? Des fois. Est-ce que tu aimes lécher les sauces et tout?
Est-ce que tu aimes prendre des gouttes une fois de temps en temps? C'est toi le testeur de la maison. As-tu des grands-mères, toi? T'en as combien? Deux. T'es la chanceuse qui a deux grands-mères. Tu sais que je connais une autre fille aussi qui en a deux grands-mères et deux grands-pères. Est-ce que toi aussi t'as deux grands-pères? Ah bon, les chanceuses. Dis-moi, tu sais quand tu viens à Gaieté Enfantine, il faut que tu fasses quelque chose. Ça, tu le sais. Moi, je vais essayer de deviner qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas danser? Non. Tu vas dessiner? Non. Tu vas lire un poème? Non. Tu vas jouer? Non. Tu vas faire quoi? Là, je donne ma langue au chat. Je vais chanter. Tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. Ça parle de quoi? C'est les yeux fixés vers toi. C'est les yeux fixés vers Jésus, je pense. Non. Non? C'est vers quoi? Les yeux fixés vers toi. OK, tu vas nous chanter, tu vas nous interpréter les yeux fixés vers toi. Tu l'as appris où, cette chanson-là? À l'église? C'est qui t'a appris cette chanson? À l'église. À l'église. Donc, tu vas à l'église, toi aussi? Avec tes parents? Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Est-ce que tu as des amis à l'église? T'en as beaucoup? Ah, je comprends. Donc, tu vas nous interpréter les yeux fixés vers toi. Puis, qui est avec toi aujourd'hui? Est-ce que c'est ta maman ou c'est ton papa? Ma mère puis mon frère. Oh, tu es accompagné de ton frère Jacob et de ta maman Kudli, c'est ça? OK, donc, sous vos applaudissements, Maë, Jenna, Joseph, les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, et te guider par toi, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer, fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, et te guider par toi, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer, et... T'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Gaieté Enfantine, une émission de variété sur Télé Culturel Média qui sera animée par des poèmes, des jeux, des chansons et autres. La grandeur de Dieu. Un beau soleil d'été, des myriades étoilées. Les premières teintes de l'automne et toute l'harmonie du monde. Mon Dieu, que tes œuvres sont belles. Wow. Merci, chers parents, en premier, de nous avoir donné vos enfants pour la première émission Gaieté Enfantine. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, de nous avoir accueillis dans votre salon. Pour ceux et celles qui sont intéressés à venir participer sur nos plateaux, on vous attend à nos locaux et remplir le formulaire et ça va nous faire plaisir de faire briller votre enfant. Notre devise, chaque enfant est unique, chaque enfant a son talent, chacun brille à sa façon. Merci et au plaisir de se voir à bientôt. Gaieté Enfantine, une émission de variété sur Télé Culturel Média qui sera animée par des poèmes, des jeux, des chansons et autres. Diffusée tous les samedis de 14h à 15h. Cette émission est accessible à toute la communauté. Vous devez donc inscrire vos enfants sur une liste d'attente bien avant la date à laquelle vous comptez les envoyer à l'émission. Passez nous voir du lundi au vendredi de 9h à 21h au 95-90 boulevard Henri Bourassa Est, local 20. Pour toute information, communiquez avec nous
au 514-643-0172 ou 514-807-4223. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran.